Jeunes, chefs de famille et chefs de village, communautés de la CDAO, tous à tour de rôle, défilent pour saluer et dire merci à Henriette Dagry-Diabaté, grande chancelière de l'Ordre national. Lors de la quatrième journée du Festival des arts et cultures des 3A, le samedi 19 août à Jacqueville, les peuples Aladjan, Aizi, Akouri ont rendu hommage à la grande chancelière pour tous les combats qu'elle a menés en faveur du développement de la région, non seulement, mais aussi pour la promotion de la culture. Madame la grande chancelière, chaque ville a soin de vous. Chaque ville a soin de vous. Nous sommes vos enfants. Et nous aimerons, Madame la grande chancelière, que vous puissiez être honorée à juste titre. Parce que vous avez mené d'énormes combats. Ce jour, nous sommes venus honorer notre maman, notre grand-mère, Madame Henriette Dagry-Diabaté. Parce que nous l'aimons beaucoup, nous la considérons. Il y a longtemps que nous voulions faire cette fête-là pour elle. On n'avait pas eu l'occasion, mais aujourd'hui, l'occasion nous est offerte. À son tour, la grande chancelière s'est adressée à ses parents par le biais de son chef de cabinet, Jean-Jacques Konadjé. Elle s'est dit touchée par l'action des populations envers sa personne. Elle a encouragé ces populations à vivre en harmonie, gage de tout développement. À vous, chers parents, chers enfants, vous qui êtes rassemblés ici et vous qui avez tenu à me rendre hommage ce jour, je voudrais vous remercier pour votre attachement à ma personne. Je vous exhorte à promouvoir l'entraide, la cohésion et par-dessus tout, la cohabitation pacifique entre vous. Le journaliste français Henri Lacordaire disait que la reconnaissance est la mémoire du cœur. Les peuples des 3A ont donc fait parler leur cœur pour celle qu'on appelle affectueusement la mémé des 3A.